Messieurs les abbés, chers jurys, chers amis, allez les verts, allez les verts! Non, ce ne sont pas les hurlements de soutien que l'on pouvait encore entendre à l'occasion d'un match de football de la part des supporters de l'équipe. Non, il s'agit plutôt des hurlements que l'on pouvait entendre il y a quelques mois à peine à l'occasion du premier tour des présidentielles. Le dernier pour les Verts, pardon, pour l'Europe Écologie, les Verts. Cette écologie, justement, parlons-en une bonne fois pour toutes. N'en déplaise à certains, les faits sont là, excusez-les, les faits sont là. L'écologie ne peut pas être catholique. L'écologie n'est pas catholique. Nous venons d'entendre un discours vibrant en faveur d'une écologie catholique. Peut-être étiez-vous déjà convaincu, peut-être l'êtes-vous devenu. En tout cas, pour ma part, j'ai été placé malgré moi du côté obscur de la force, et voilà que maintenant je dois mettre en lumière cette vérité sans être pour autant un Lucifer de mensonge. Vous en conviendrez, la tâche est quelque peu ardue. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. L'écologie est pourtant là, sous nos yeux. C'est un cadavre qui empeste nos villages, détruit nos bourgades. Un cadavre qui pue et dont la puanteur, chaque jour toujours plus, nous retourne le cœur. Oui, l'écologie est un cadavre. Nous avons entendu parler d'écologie vraie, d'écologie catholique, mais jamais de l'écologie pure, de l'écologie simple. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une petite expérience inédite. Alors, je ne l'ai jamais fait, j'espère vous non plus, nous allons ensemble, aujourd'hui, disséquer un cadavre. Ce ne sera pas très réjouissant. Ce cadavre, c'est l'écologie. Pour parler d'écologie, il faut remonter aux racines, n'est-ce pas? Savoir d'où elle vient pour mieux savoir où elle va, si elle est tentée qu'elle aille quelque part. Le problème de l'écologie catholique, c'est avant tout un problème de terminologie, un problème de définition. Alors définissons. Le terme écologie vient du grec oikos, l'habitat, la maison, et logos, la parole, et se veut comme la science de l'habitat. Le terme écologie a été inventé en 1866 par un darwiniste. Un darwiniste, pas vraiment catholique, Ernst Haeckel. Alors je sais qu'on est catholique. Je sais que nous sommes tous dans le navire de l'Église, et parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette galère? On est dans le navire de l'Église, mais c'est pas la peine de vouloir en faire le Titanic. Arrêtez de vouloir nous envoyer tout droit vers cet écueil de l'écologie, ou plutôt, devrais-je dire, cette écologie d'écueil. Parce que l'écologie, au fond, elle voulait déjà dire, et Haeckel nous l'a dit, c'est l'étude de l'homme par rapport à son environnement qui lui est propice et son évolution dans l'homme. C'est-à-dire que l'écologie, au fond, est profondément matérialiste. Alors ce n'est pas exactement la vision que Dieu donne dans la Genèse lorsqu'il fait de la création un tout ordonné à l'homme, lorsqu'il fait de l'homme le maître de la création et non l'inverse. Oui, l'écologie plonge ses racines à gauche dans un athéisme pervers, mais peut-être, cela ne vous convainc-il pas encore? Alors, allons plus loin. Les faits, eux, continuent de parler. L'écologie de scientifique est très rapidement devenue politique. Et c'est le mouvement anarchiste de la fin du 19e siècle, rappelons, l'écologie a été inventée en 1866, c'est le mouvement anarchiste qui a fait de l'écologie la première expression politique. Monsieur anarchiste, voulez-vous prendre comme légitime épouse mademoiselle écologiste qui présente selon le rite de rien du tout? Oui, oui, mesdames, messieurs, l'époque est formidable, l'anarchisme prend l'écologie et la met aux yeux de tous. Il ne pouvait en être autrement, parce que l'écologie n'est rien d'autre, et ne vous en déplaise, qu'une idéologie.
L'écologie est donc née à gauche. Alors peut-on être catholique et être écologiste? Je ne crois pas, non. Alors à moins d'être moderniste. Dans ce cas-là, vous écrirez Laudato aussi. Vous adorez la Terre Mère, la Pachamama. Vous direz même que Saint François d'Assise fut le premier saint écolo. Mais, je vous rassure, vous serez parfaitement écologiste, mais serez-vous vraiment catholique? Bon, pour François, le pape, hein, pas le saint. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit pour François. La question continue à se poser, mais nous n'y répondrons pas car on risque de s'engager dans des méandres infinis. L'écologie plonge ses racines à gauche. Nous sommes catholiques, souvenons-nous que le Seigneur choisira ses brebis à droite. Cher juré, qu'est-ce que l'écologie vraiment? Vous me direz, c'est l'amour de la nature, nous l'avons entendu, mais l'amour de la nature, l'amour des bêtes, l'amour des animaux, la défense du terroir et de la terre, tout cela doit être vu dans une vision catholique, c'est évident. Mais cela n'a rien à voir avec l'écologie, ne nous y trompons pas. Il suffit de voir ce qu'elle est dans son essence même pour la comprendre. Pardon, j'ai parlé d'essence en matière d'écologie, je suis désolé. L'écologie est née à gauche. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si l'écologie peut être catholique. Ne nous y trompons pas. La question est de savoir si l'écologie est catholique. Aujourd'hui, comme hier, la réponse est non. Alors ne faisons pas de plan sur la comète, ce serait pas très écolo d'ailleurs. Ne faisons pas de plan sur la comète, n'essayons pas de tourner le mot écologie dans tous les sens pour lui donner en réalité un sens qu'il n'a pas. Le combat du catho n'est pas celui de l'écolo. La vision du catholicisme sur la nature, c'est initialement la vision de Dieu dans la Genèse. La vision de l'écolo sur la nature, c'est finalement la vision de Solveig Allouin sur TPMP, qui veut que tout le monde l'appelle comme truie parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Vous m'excuserez donc, mesdemoiselles, étant catholique, de ne pas vous considérer aujourd'hui comme des truies. On a parlé au XIXe siècle de laïcité chrétienne. Mais ce n'était déjà plus la laïcité, comme le disait si bien Louis Veuillot. Il en va de même pour l'écologie. Les mots ont un sens. Les mots ont une histoire, les mots sont des armes. L'écologie est un mot. Les mots, ce ne sont pas des vérités générales que l'on colle ensemble parce que cela nous fait plaisir. Écologie, catholique, oh, écologie, catholique, mais ça va bien ensemble. Mais non, mes chers amis, ne nous y trompons pas. Les mots sont des armes. L'écologie, ce n'est pas quelque chose qui a été abîmé par la gauche, fantasme psychédélique et hallucinogène de certaines personnes de nos milieux. L'écologie n'a pas été abîmée par la gauche. L'écologie est née dans la gauche. L'écologie est née de la gauche. Et l'écologie trouve logiquement son accomplissement dans la gauche aujourd'hui. L'écologie, c'est ensuite l'absolutisation de la nature. Ah, la nature. L'absolutisation de la nature au détriment de l'homme, au détriment de la création elle-même. C'est la nature sans Dieu. La nature est belle sans l'homme. On dit qu'il faut juger un arbre à ses fruits. Jugeons ceux de l'écologie. Ce serait très à propos d'ailleurs. Je me promenais dans Paris il y a quelques semaines déjà. Lorsque je tombais sur une manifestation en faveur de l'écologie, un panneau, hissé plus haut que les autres, attira mon attention. Sur ce panneau, écrit en grosses lettres capitales, « Le premier acte de l'écologie, c'est de ne pas faire d'enfants. » Vous vous rendez compte? Le premier acte de l'écologie, c'est de ne pas faire d'enfants. Voilà qu'on sacrifie maintenant les petits êtres humains sur l'autel de l'écologie. Parce que oui, l'écologie est une religion de la mort. Nous sommes catholiques, nous avons la religion de la vie à défendre. Nous ne pouvons pas adhérer à cette religion de l'écologie. Ayons une petite pensée, parce que cette religion, vous en doutez bien, elle a ses hôtesses, ses fêtes, ses héros, ses saints. Ayons une petite pensée pour notre cher viking venu du nord avec ses longues nattes blondes. Je ne ferai pas une minute de silence parce que ça risquerait d'être un peu trop long, mon temps est compté. Ayons juste une petite pensée pour notre chère Greta Thunberg et son discours à l'ONU, son fameux « How dare you ?» retentissant. La jeunesse devrait s'enflammer
pour l'idéal, pour la noblesse. Avoir le verbe haut, monumental, accrochant les mots aux étoiles, tramant l'intime dans le grandiose, donnant à l'histoire rendez-vous. Et voilà qu'aujourd'hui, la jeunesse s'inquiète du changement climatique, milite pour un développement durable. Bel enthousiasme! Oh, cette écologie n'est rien d'autre que l'incarnation paroxystique et caricaturale du combat de l'homme contre lui-même, pour reprendre les mots de Marcel de Corte. Quelle est froide cette génération climat! Et le monde prend froid de l'avoir aussi glacial, aussi faible, aussi démuni, aussi déshumanisé en quelque sorte. Pour finir, je reprendrai les mots d'un homme politique bien connu, voire apprécié de nos milieux. Les écologistes sont des pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Peut-être, peut-être, voulez-vous être des pastèques, ce n'est pas mon cas. Je suis catholique, je suis donc contre l'écologie. Je vous remercie.